Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer de lier les mots entre eux à travers des enchaînements consonantiques. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à la chaîne. Alors tout d'abord, les liaisons vont lier deux mots et vont créer un nouveau son. Si je prends par exemple « ils ont », la liaison est obligatoire, je vais ajouter le son « z ». Ils ont, ils ont. Pour l'enchaînement, il n'y aura pas de règle obligatoire, interdite, non. Il n'y a pas de règle. Par exemple, « il a », « il a ». J'entends bien le L à la fin du mot il, eh bien, je vais l'ajouter au A qui suit. Il a, il a. Donc, quelle est la différence entre liaison et enchaînement? Dans la liaison, je crée un nouveau son. La liaison sera obligatoire ou interdite. Dans l'enchaînement, je ne crée rien du tout. Et c'est naturel. Il n'y a rien d'obligatoire ou rien d'interdit. Aujourd'hui, je vous propose un exercice un peu particulier. On va effectuer des enchaînements entre une consonne et une voyelle. Mais il y aura une petite difficulté, c'est qu'il y a une consonne qui est muette en plein milieu qu'il ne faudra surtout pas prononcer. D'accord ? Je vous rappelle encore une fois que les quatre consonnes qui sont principalement prononcées en fin de mot sont les consonnes C, R, F, L en français. D'accord ? La plupart des autres consonnes seront muettes. Donc celles qu'on va voir aujourd'hui, elles sont bien muettes. Ok ? Écoutez bien. Les sacs à main. Sac à main. Sac à main. Il ne faut surtout pas prononcer le S. Il ne faut pas dire les sacs à main. Ça ne fonctionne pas. Le S est muet. Sac à main. Sac à main. Un aéroport international. Un aéroport international. Le T est muet, mais je vais faire l'enchaînement entre le R et la voyelle 1. Aéroport 1. Aéroport international. Aéroport international. Un regard étrange. Regard étrange. Regard étrange. Encore une fois, on ne prononce pas le D, il est toujours muet. Regard étrange. Nord-est. Nord-est, 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 nord-est. Un dessert aux fraises. Dessert aux fraises. Dessert aux fraises. Un dessert aux fraises. Le T est muet. Sourd et muet. Sourd et muet. Sourd et muet. Sourd et muet. Les photographes ont oublié. Les photographes ont oublié. Les photographes font oublier. Ici, j'ai fait l'enchaînement font. Les souvenirs arrivent. Les souvenirs arrivent. Ici, j'ai fait l'enchaînement ra. Les souvenirs arrivent. Des symboles utiles. Des symboles utiles. Des symboles utiles. Des symboles utiles. Elle lave avec de l'eau. Elle lave avec de l'eau. Elle lave avec de l'eau. Encore une fois, j'ai effectué l'enchaînement va. Va avec de l'eau. Elle lave avec de l'eau. Un accord attendu. Un accord attendu. Ra. Un accord attendu. Je vous propose maintenant quelques petites questions pour tester votre niveau de compréhension. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation du français, alors allez regarder cette prochaine vidéo. À très bientôt !